Hello guys! Oui, je sais, je l'ai fait à l'américaine. Oui, bon, voilà, c'est bon. C'est pas la mort. Je sais pas si mon accent est crédible, mais bon, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les anecdotes que vous ne savez peut-être pas sur le Titanic. Parce que, oui, comme vous le savez, depuis le drame qu'il y a eu avec, enfin, avec le sous-marin qui a implosé dans l'eau, il y a beaucoup de vidéos sur Titanic qui sont remontées sur la page YouTube et tout pour qu'on les voie. Donc du coup voilà. Et j'avais envie aussi également de vous faire une vidéo sur le Titanic parce que ben, j'adore l'histoire du Titanic tout simplement. J'adore le film Titanic et il y a peut-être des choses que je vais vous lire que vous ne savez peut-être pas. Donc ben voilà. J'ai tout noté ici dans mon beau cahier Coca. J'ai tout noté ici parce que j'ai pas encore eu le temps de tout réviser par cœur et tout. Donc du coup, je vais vous le lire. Et ben voilà, c'est parti. Alors, donc 25 anecdotes et faits surprenants sur le Titanic. Fait numéro 1. Seulement un mois après le naufrage, un film sur le Titanic a été réalisé. L'actrice principale était une rescapée du drame. Le saviez-vous? Fait numéro 2. Le bateau consommait 600 tonnes de charbon par jour. 176 hommes étaient chargés d'approvisionner les fours en continu. Ça me paraît incroyable, vraiment. Fait numéro 3. Les décorations intérieures de la première classe ont été inspirées par celles de l'hôtel Ritz de Londres. Je ne savais absolument pas. J'ai vraiment fait mes recherches et tout. Et bah, quand j'ai lu tous les 25 faits, j'étais un peu abasourdi. Fait numéro 4. Il y avait 20 000 bouteilles de bière à bord, 1 500 bouteilles de vin et 800 cigares, tous destinés aux passagers de première classe. Donc en fait, les autres classes, deuxième classe, troisième classe, il n'y avait pas de droit. Ok. Fait numéro 5. Le grand escalier est l'élément décoratif le plus connu du Titanic. Fait de magnifiques boiseries en chêne finement taillées et orneries. Il desservait toutes les installations de première classe. C'est le fameux escalier qu'on voit à la fin quand Rose, elle rejoint Jack. Il est magnifique cet escalier. Alors, fait numéro 6. Seuls 16 canots de sauvetage en bois et 4 embarcations gonflables ont été réalisés pour le Titanic. Assez pour accueillir 1 178 personnes, soit seulement un tiers de la capacité totale du Titanic. Fait numéro 7. Le budget du film Titanic était plus élevé que celui de la construction du bateau. Ça me paraît incroyable. Vraiment. C'est fou, quoi. On en apprend tous les jours. Fait numéro 8. Il fallait 20 chevaux pour tirer l'ancre principale. Fait numéro 9. Parmi les 885 personnes composant l'équipage, seulement 23 étaient des femmes. Ça, c'est incroyable. J'aurais pas cru ça quand même. Fait numéro 10. La dernière survivante de la catastrophe, Milvina Dean, est morte le 31 mai 2009, à l'âge de 97 ans. À l'époque, elle n'avait que deux mois. Incroyable. Je me demande en fait comment elle a pu survivre à 2 mois. Je sais pas du tout. J'ai pas fait de recherche approfondie sur cette fameuse Melvina Dean, mais je vais essayer de regarder un petit peu et peut-être je vous mettrai des informations en barre d'infos parce que. Voilà. Fait numéro 11. Le dernier repas servi aux passagers de première classe se composait de 11 plats. Fait numéro 12. L'iceberg qui a percuté le Titanic a été repéré à 23 h 40 le 14 avril 1912 par Frédéric Fleet, qui a survécu au drame. Il a ensuite servi sur l'Océanique durant les années 1920 avant d'être enrôlé dans la Seconde Guerre mondiale. Fait numéro 13. Seulement 37 secondes se sont écoulées entre le repérage de l'iceberg et la collision.
37 secondes. C'est fou quand même. En fait, c'est vrai que quand on se dit 37 secondes, ça aurait été limite impossible en fait de l'éviter. C'est tellement grave, c'est dommage en fait. C'était tellement. Fait numéro 14. Le navire avait reçu 6 avertissements à la présence d'icebergs au cours de son voyage. Fait numéro 15. Au moment du naufrage, la température de l'eau était de moins 2 degrés. Une personne sur 5 est décédée dans les 2 minutes suivant leur chute dans les eaux glaciales. Les autres n'ont pas survécu plus d'un quart d'heure. Seul le boulanger du navire, Charles Jauguin, avait réussi à survivre durant 2 heures. Il a affirmé ne pas sentir le froid en raison de la quantité de whisky qu'il avait bu. C'est incroyable. Incroyable. Moi, j'aime bien tout ce qui est documentaire, tout ça, j'adore franchement. D'ailleurs, je pense que ce sera un style de vidéo que je vais souvent vous faire. Bon, bien sûr, je vais essayer de connaître les faits par cœur. Ainsi, je devrais pas lire ma feuille, tout ça. Bon, là, j'ai vraiment pas eu le temps de réviser tout ça parce que ça me paraissait énorme. 25 faits, c'est énorme. Je pense que les autres vidéos que je vous ferai par cœur, ce sera genre 10 faits ou 15 faits, mais pas plus parce que 25 faits à retenir, c'est énorme d'ailleurs. Je sais pas ceux qui racontent les histoires, les traits d'horreur et tout, genre Ouria, tout ça. Je me demande, Max Sky aussi, ouais. Je me demande comment ils font, ça doit être chaud. Ça doit être quand même une ou deux bonnes semaines de révision, enfin, je sais pas. Bon, fait numéro 16. À son inauguration en 1911, le Titanic était le plus grand paquebot au monde. Il mesurait 269 mètres de long. Aujourd'hui, le plus grand paquebot du monde est baptisé l'Allure of the Seas. Il fait 362 mètres de long. Fait numéro 17. Seulement 3 chiens sur les 12 qui étaient à bord ont survécu au drame. Fait numéro 18. Il a fallu 73 ans avant de trouver l'épave du bateau. Ça m'étonne pas. Fait numéro 19. Les cabines les plus chères de l'époque coûteraient aujourd'hui 91 000 euros. Wow. Fait numéro 20. Le Titanic était conçu pour pouvoir flotter même avec 4 de ses 16 compartiments inondés. Malheureusement, les 5e et 6e compartiments ont été inondés lors de la catastrophe, provoquant son naufrage. Fait numéro 21. Le Titanic a mis 2 h 40 minutes à couler. J'imagine même pas l'angoisse en fait. L'angoisse de ces pauvres gens qui savaient que pour la plupart d'entre eux, qu'ils n'allaient pas survivre. Ça doit être tellement horrible. Fait numéro 22. Un exercice de sauvetage avec les canots était prévu la veille du drame, mais a finalement été annulé. Fait numéro 23. Aucun des 13 ingénieurs à bord n'a survécu. Ils sont restés sur le navire pour permettre à un maximum de personnes de quitter le navire. Fait numéro 24. 13 couples célébraient leur lune de miel sur le bateau. Et le dernier fait, à savoir sur le Titanic, un bateau moderne a plus de chances de rencontrer un iceberg que ne l'avait le Titanic en raison du plus grand nombre d'icebergs aujourd'hui. Voilà, donc c'était les 25 faits sur le Titanic. Franchement, c'est incroyable. C'est super intéressant, je trouve. Dites-moi si vous trouvez ça intéressant. Moi, j'adore. J'adore l'histoire du Titanic. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais. Je pense que je vais vous faire souvent des vidéos comme ça, 20 faits, 10 faits. J'essaierai bien sûr de les connaître par cœur parce que, bon, là, ça ne doit pas être agréable pour vous de me voir lire ma feuille. Et bah du coup, moi c'est vraiment le style de vidéo que j'adore regarder, donc bah je vais adorer les faire, je pense. D'ailleurs, là j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire la vidéo, et j'espère bah, bien sûr qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.